Good morning, Aleiden. Nous allons l'unishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, et l'irfouat Yosef Shmuel Ben Pnina, à qui l'on souhaite une refoua shlema, bekarov, bezrat Hashem. Nous étudions Baba Kama Perek Zayin, Mishnah Dalet. Ganav al pi shnaim, vetabach umachar al pi ed echad, o al pi atzmo, meshalem tashlume kefel, veino meshalem tashlume arba ava chamisha. Ganav vetabach beshabbat, ganav vetabach laavoda zara. גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי ארבעה וחמישה, שאין חייב באחריותם פטור. Une nouvelle Mishnah bien riche. Où on va apprendre dans cette Mishnah, elle va être décomposée en 5 parties. On va commencer d'abord en lisant dans les mots la première partie et on l'explique ensuite. Ganav al pi shnaim, vetavach umachar al pi ed echad. On parle de quelqu'un qui a volé, on continue toujours à parler de celui qui vole la vache et qui ensuite l'égorge, lui fait la shrita ou la vend, d'accord. Et donc là, on a déjà appris qu'on doit payer un knas de 5 fois, on doit payer une amende, de payer 5 fois le prix de l'animal au propriétaire, au volé. 2, parce que tout vol en cachette, tout vol, on doit payer le kefel, le double. Et en plus de ça, quand on égorge l'animal, alors on doit rajouter l'animal, la vache, spécialement la vache ou le mouton, on doit rajouter 3 fois supplémentaires, donc payer 5 fois. Première partie de la Mishnah va nous dire comme ça. Si deux témoins m'ont vu voler l'animal en cachette. Ensuite, vetavach umachar al pi edechad. Et ensuite, j'ai égorgé l'animal, mais cette fois-ci, j'étais plus devant deux témoins. Je n'étais que devant un seul témoin. Ou encore, o al pi atzmo. Je suis en fait de bonne foi et je regrette amèrement d'avoir égorgé cet animal. Et je vais me rendre au Beit Din et je leur dis, j'ai volé. Il y avait des témoins, c'est vrai, ils m'ont condamné. Mais sachez que j'ai même égorgé l'animal. Alors la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, Meshalem tashlume kefel. Il faudra payer le kefel, payer le double pour le vol, parce qu'on a dit qu'il y a deux témoins pour le vol. Par contre, Ve'eno meshalem tashlume arba'a v'chamisha. Par contre, les 4 et 5 fois, c'est-à-dire en réalité les 2 fois supplémentaires ou les 3 fois supplémentaires pour compléter jusqu'à 5 fois, je ne devrais pas les payer. Pourquoi ? Pour la simple raison que je n'ai pas deux témoins, j'ai qu'un seul témoin, ou bien, même pire, j'ai que moi-même. Je m'explique. Dans la Torah, on distingue deux sortes de remboursements qu'on rembourse, qu'on est condamné à payer à son prochain. Que le Beit Din prononce un verdict de « tu dois payer ». On peut soit m'imposer de rembourser un dû, ou soit une amende. Un dû, ça peut être parce que je lui ai emprunté de l'argent, ça peut être parce que je lui ai causé un dommage, parce que je lui ai fait honte en public, d'accord ? Je lui dois maintenant, je lui ai causé un tort, un manque, et puis maintenant je dois combler ce manque en payant, d'accord ? Ça c'est une dette classique. Et il y a des fois des dettes particulières qui sont ce qu'on appelle des knassot, des amendes, où il n'y a pas de cause à effet direct entre ce que je lui ai fait et le fait que je dois lui payer. Mais la Torah a plutôt imposé une sorte de punition. Elle m'a dit, tu sais quoi, t'as fait cette faute-là, envers ton prochain, paye-lui une amende, un knas, d'accord. Et alors là, de cette différence, il y a une différence essentielle entre les deux. C'est que quand c'est de l'argent, un remboursement classique, un dédommagement, alors je suis intrinsèquement redevable envers lui. C'est pas parce qu'il y a des témoins ou qu'il n'y a pas de témoins que je ne lui dois pas. Effectivement, il faut forcément des témoins pour me faire sortir de l'argent si jamais je suis de mauvaise foi. Mais si je suis de bonne foi, par exemple, alors dans ce cas-là, je dois être honnête avec moi-même et partir lui rembourser l'argent. Si je veux faire tchouba de moi-même, je vais aller le voir, je vais lui dire, tu sais, en réalité, il y a 25 ans, c'est moi qui t'avais volé le stylo quand on était à l'école, je te le paye aujourd'hui, d'accord ? Je te le rembourse. Par contre, lorsque je lui dois une amende, un knas, alors il n'y a pas de... Je ne suis pas redevable en moi-même. C'est juste que si je me suis fait attraper par des témoins qui m'ont apporté au Beit Din devant le juge, alors le juge me condamnera à payer, mais il n'y a plus de cause à effet direct. L'idéal est simple. Supposons que, par exemple, j'ai brûlé un feu hier soir, j'étais fatigué,
précédent entrée chez moi, j'ai brûlé un feu. Or, quand on brûle un feu rouge, on doit payer 900 shekels. Aujourd'hui, je fais tchouva. Alors, je ne vais pas partir à la police et dire, vous savez, hier, j'ai brûlé un feu, prenez 900 shekels. Il n'y a pas de cause à effet direct. D'accord? L'idée est claire, c'est évident, c'est simple. C'est une amende. Donc une amende, si on t'a serré, on t'a attrapé, tu payes. On t'a pas attrapé, tu payes pas. Même si, honnêtement, tu es persuadé que c'est vrai. Mais il n'y a pas de cause à effet, tu n'as pas causé de tort à personne. De selon le même principe, de nouveau, lorsque tu as volé devant deux témoins, donc tu dois payer déjà le kefel. Ensuite, ta bonne foi te pousse à faire tchouva sur le fait que tu as égorgé l'animal. Alors tu ne devras pas payer ces trois fois supplémentaires. D'accord? L'idée, elle est nette. Il y a maintenant une finesse supplémentaire dans la Mishnah. J'hésite à en parler tout de suite parce que sinon on va trop s'étaler. Quand on reviendra, avant d'expliquer le Bartanora, je vous réexpliquerai la deuxième partie, de le point particulier qu'il y a dans cette notion-là. Cette notion-là, pour le moment qu'on a expliqué, ça s'appelle Modé Biknas Patour. Celui qui reconnaît, qui fait un aveu d'un knas, d'une amende, il est patour, il est dispensé de dédommager, il ne paye pas sur sa propre foi. D'accord? Tant qu'il n'est pas condamné, seulement à partir de témoins. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, très simple. Ganav vetavach beshabbat. Ganav vetavach la avodazara. Et alors là, on saute jusqu'à la fin de la Mishnah, ou à la fin de la première partie de cette partie-là, où il y a marqué que meshalem tashlome kefel veno meshalem tashlome avachamisha. C'est mis en facteur sur chacun des cas de la Mishnah. C'est-à-dire on va prendre 4 cas et en facteur on va donner la halakha de chacun qu'on devra payer le kefel, on ne devra pas payer les 4 et 5 fois. Enfin concrètement, Ganav vetavar beshabbat, il a volé, puis ensuite il a égorgé l'animal pendant Shabbat. Ou encore, Ganav vetavar la avodazara, il a volé, puis ensuite il est parti faire de la avodazara, faire de l'idolâtrie avec cet animal. Il est parti la porter pour Tartampion. D'accord, en tant que korban pour la avodazara, en tant que sacrifice pour la avodazara. Alors dans tous ces cas-là, il a transgressé en égorgeant pendant Shabbat ou bien en égorgeant l'animal pour en l'honneur de la avodazara, de l'idolâtrie, de l'idole. Il s'avère qu'il transgresse un issour qui est condamnable à mort. D'accord, celui qui transgresse Shabbat il rêve ce qu'il a, et celui qui fait avodazara aussi il rêve ce qu'il a. De ce fait, on a la grande règle déjà bien connue, évoquée au moins six fois au moins je pense. Kim le bederaba amine, donne-lui la sentence la plus grave. En l'occurrence, puisque sur la même avera d'égorger, la même transgression d'égorger l'animal, tu transgresses à la fois l'interdit de Shabbat ou de avodazara, et en plus de ça, tu te fais condamner des trois fois supplémentaires. On ne te juge que sur la grave condamnation qui est la condamnation à mort, et pas sur les trois fois. De ce fait, tu as volé, tu payeras le kefel, mais tu ne payeras pas les trois fois supplémentaires sur le fait d'avoir dégorgé l'animal. Notion bien claire, Baruch HaShem, on continue avec un nouveau cas maintenant. Ganav Michel Aviv, ou Met Aviv, V'achar Kach, Tavar ou Machar. Un enfant renégat qui est parti et qui a volé la vache de son père. Ça arrive, d'accord? Il est parti voler la vache de son père en cachette. Et il s'avère que son père est décédé. Il est mort ensuite. Pendant que l'animal, il était encore chez lui. Et ensuite, il s'est dit, bon allez, je l'égorge. Et donc, il a égorgé l'animal. Question, est-ce qu'il devra payer les 4 et 5 fois? Bien évidemment, pas à lui-même. Mais il a quand même des frères, ce monsieur. C'est-à-dire, on va illustrer ça avec, on va supposer qu'ils étaient 5 frères. Lui, il a volé la vache du père. Ensuite, donc il a volé, il est déjà Khayav Kefel, en théorie, s'il se fait attraper avec des témoins. Et ensuite, le père décède, 10 jours après, 15 jours après, il égorge l'animal. Normalement, tu devrais payer 5 fois l'animal. Donc, paye 5 fois, vous êtes 5 frères, chacun en prend un, donc tu payes juste 4 à chacun pour tes autres frères, et pour toi, tu prends le tien, celui qui te revient de droit. La Mishnah nous enseigne qu'il est Khayav sur le Kefel. Il devra effectivement prendre le kefel, donc deux fois l'animal, et le partager en 5, et donner une part à chacun des frères, et garder une part pour lui. Mais il ne sera pas chayav sur la shrita, ou bien sur la vente. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné qu'à partir du moment où son père décède, il devient lui-même partiellement propriétaire de l'animal, alors il ne transgresse plus l'interdit de dégorger l'animal volé. Il ne transgresse plus un interdit à 100%. La Torah, elle a précisé « Utvacho kulo ». Il faut qu'il l'égorge entièrement en issour. Or, s'il est partiellement propriétaire de l'animal, il s'avère qu'il n'est plus
entièrement assour. Il transgresse juste 80% de l'animal, il continue à s'enfoncer dans son, à s'engouffrer dans son vol. Mais 20%, il n'est pas plus voleur maintenant puisque ça lui appartient déjà. D'accord ? Udvaro, Kulo, il faut donc l'égorger entièrement Béissour et pas partiellement Béissour. Donc si tu es propriétaire, d'ailleurs la prochaine Mishnah, on apprendra plusieurs cas dans la Mishnah Hey, plusieurs cas où il va être partiellement propriétaire de l'animal. Et on apprendra dans ce cas-là qu'il ne devra pas, selon la même idée, ne devra plus payer 4 et 5 fois. Voilà pour la troisième partie de la Mishnah.